bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre aventure américaine, bien évidemment. Et je suis toujours accompagné de notre ami Santiago. Tu es où? Il est là, Santiago, mexicain et fier de l'être. Je l'ai sauvé parce qu'il était pris en otage par les grands méchants. Et nous sommes sur Far Cry 5, bien évidemment. Regardez-moi comme c'est beau. Vous étiez nombreux à me dire, tiens, on va faire une petite pause pour que je vous explique. Mais MrBboy, je comprends pas. Il y a une bouillie de pixels, c'est dégueulasse à regarder. Je suis d'accord avec vous, mais ça, on lutte avec YouTube pour qu'ils rendent leur compression bien meilleure. Parce que sur des jeux tels que Far Cry, qui sont remplis de détails, ou Horizon même, c'est tellement fin l'herbe, regardez-moi ça. C'est tellement fin que quand je bouge, la compression pète un câble et ça fait une bouillie de pixels. Et en plus, vu qu'on est sur PC, que c'est encore plus fin que sur console, ça se voit un petit peu plus. Malheureusement, on ne peut rien faire. Pour ça, le seul moyen, ça serait de faire un rendu en 4K, chose que j'essaierai de faire pour vous et pour que vous ayez quelques épisodes vraiment magnifiques. Mais c'est quand même triste de se dire que j'enregistre en 1080, je dois faire un rendu en 4K pour que ce soit impeccable à vos yeux. Voilà, donc j'en suis navré, ça ne peut vraiment rien y faire. Tous les youtubeurs vous le diront, la compression YouTube est un réel enfer et on peut rien faire de plus. Bref! Dans l'épisode 2, j'avais récupéré un arc et pas que le célèbre arc de la série. Je vais pas te faire des détours dans toute la région, alors t'en fais pas. Essaie quand même de pas te casser la gueule. C'est pas mal ce qu'il a dit. C'est un petit troll, c'est un petit pic envoyé à leur ancien jeu parce qu'il nous faisait à chaque fois escalader des tours. C'était un supplice et c'est vrai que les gens ont tendance à dire Ubisoft, arrêtez un petit peu vos conneries, calmez-vous là-dessus parce que c'est très chiant. Vous nous faites escalader tout un tas de tours et à force ça devient limite insupportable. Ça, c'est fait, tout va bien, c'est pris, on va pouvoir quitter l'île de Dutch. Hé hey, officier, je capte un signal bien fort, ouvre ta carte, je vais te décrire ce que j'entends. Ok, on va voir un petit peu ce qu'il entend, dis-moi tout. On va voir un peu plus large, dézoome ta carte qu'on puisse voir toute la région. Donc, se divise en trois régions. Au nord, t'as les Whitetails, les montagnes. C'est Jacob Seed qui dirige tout. L'aîné de cette putain de famille. C'est Jacob qui forme les soldats de la secte. Et il est vraiment très doué. Ellie et les Whitetails essaient de résister, mais Jacob les tient par la gorge. Au sud-est, t'as la rivière Enbane. C'est le territoire de Face. La petite sœur. J'ai entendu pas mal d'histoires, des gens qui auraient perdu la tête dans un endroit appelé La Grâce. Maintenant, va vers l'est, à Holland Valley. John Seed vient de débarquer et il réquisitionne tout au nom de la secte. La bouffe, le matériel, il prend même les gens. Je capte tout un tas d'appels partout dans la région. Je te tiens au courant si j'apprends quelque chose d'utile. Ok, d'accord, j'ai l'impression qu'ils ont pris un petit peu le système de... comment on l'appelle ce système-là déjà? Ah, de Ghost Recon. J'ai l'impression qu'ils ont pris un petit peu le système de Ghost Recon. Donc je dois aller par ici. Je dois aller par ici, mais attends, ça me semble petit, non? Attendez, on va regarder. Ou alors l'église est vraiment monstrueuse. Ça me semble très petit. Bref, c'est parti les gars. Direction, direction l'ouest, hein. Je dois aller par ici. On va voir un petit peu ce qui se passe. Le brouillard va vite se dissiper. On va pouvoir te faire quitter l'île. Accroche-toi, ça devrait pas être très long. J'aimerais bien que ce brouillard parte parce que justement c'est ce qui fait pixeliser les vidéos et c'est ce qui fait que c'est un enfer à rendre. Le brouillard plus la végétation, l'ennemi numéro 1 du youtubeur américain bien évidemment. Oh merde, officier, je capte un nouveau truc dans Holland Valley, c'est un message de John, il faut que tu vois ça. Nous sommes des pêcheurs. Tous autant que nous sommes. Vous, moi. Même notre cher père en fait l'expérience. C'est un poison qui pollue l'esprit. Mais si je vous disais qu'une délivrance est possible, si je vous disais que tous vos rêves, même les plus fous, sont possibles, si je vous disais que toutes les épreuves peuvent être surmontées, si vous adhérez à une idée, cette libération du péché peut venir grâce au pouvoir d'un mot. Oui.
Je suis un pêcheur. Oui. J'aspire à la rédemption. Oui. Je veux être purifié. Si vous me regardez, vous avez été choisi pour la purification. Confessez vos péchés et vous aurez le droit de les expier. N'ayez crainte. Vous n'aurez rien à faire du tout. Nous viendrons à vous. Bienvenue à Eden's Gate. Merde! John Cena tient ta coéquipière, Hudson. Elle est dans une merde noire. Il faut que tu te remues. C'est tellement américain avec la musique, c'est magnifique. Ça, c'est ce que j'aime. Allez, on se casse, bouillie de pixels, on approche. Quoique, j'ai laissé le flux cinétique pour éviter, peut-être, on verra. Surprise. La Syrie au nord, la prison de Hope County à l'est, et la ville de Falls End à l'ouest. Tu fais comme tu veux, mais à ta place, j'irai d'abord à Falls End. Ok, Falls End. Donc, c'est bien parce qu'il nous laisse clairement le choix. Falls End, Falls End, Falls End, Falls End. Alors là on a une carte un peu plus égayée. C'est ici qu'on m'a conseillé, hein, il me semble. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. À exactement 2 km, maintenir Fall Ends. On va voir un petit peu. C'est à... oh là là, c'est super loin ça, 3 km. 3 km à pied. Les gars, laissez-moi vous dire que sans faire l'américain, ça use. Excellent, qu'est-ce que vous rigolez. Ah, peut-être une voiture. Ah oui, d'accord. Les gars, tout se passe bien par ici. On va voir un petit peu. Regardez-moi ce détail de l'eau. C'est magnifique, on va pas se mentir. Ok, on a des voitures. C'est bon, on a des voitures. J'aimerais bien en choper une d'ailleurs. Ah ouais, non les gars. Allez, ça dégage. Hop, on prend le code très rapidement. C'est parti, on se cassos les amis. Non, non. Oh putain, c'est bon. C'est bon, j'ai cru que les touches étaient pas bines. On se casse les gars. On a réussi à récupérer un petit quad. Et direction 3 km. Tout va bien se passer, moi j'ai confiance. J'ai entièrement confiance en vous, en moi, en nous c'est le goût. Un petit peu de clipping quand même sur PC. Après j'ai pas mis tout en ultra. Pour que vraiment, plus les détails sont faussés encore une fois, mieux ça passera à limite sur YouTube, c'est triste à dire. Mais T'as franchi la NBN River maintenant. Te fie plus à rien de ce que tu vois. Et surtout crois pas un traître mot sorti de la bouche de Face. Et aussi, évite les fleurs blanches. Elles ont l'air de rien, mais elles te pourrissent la tête. Si tu me crois pas, attends juste de croiser un de ces putains de junkies. Des anges, comme dit la secte. Sauf que ils hésiteront pas une seconde à te mettre en pièce. Ok, très bien. Donc les fleurs blanches, on évite. On va traverser très rapidement ce lac. La vallée est devenue une zone de guerre. La secte réquisitionne la nourriture, le matériel, tout ce qu'ils trouvent, même les gens. John Cena les expulse de chez eux et les oblige à le rejoindre. S'ils refusent, eh ben, ça se passe mal. Là où ça chauffe le plus, c'est près de Falls End. Donc j'irai là, à ta place. Ok, Falls End, on va y aller, hein. On va y aller, pas de panique. Par contre, qu'est-ce que c'est? Méchant, gentil, gentil, méchant. Je sais pas trop, je vous avoue. Allez, les petits. Ok. On va essayer de le choper, mais alors... Qui êtes-vous, monsieur, finalement? C'est ce qu'il me fallait. Un peu de bon temps pour oublier les ennuis. Ok. J'ai envie de l'arracher, quand même. Mais je sais pas. Il est peut-être pas méchant, alors on va s'approcher, puis on va voir ce que ça va donner. C'est un putain de mauvais. Allez, boutique et argent! Vous trouverez désormais des magasins où acheter et personnaliser vos armes, faire le plein de munitions, vendre votre butin et plus encore. Vous débloquerez de nouvelles armes en renforçant la résistance dans chaque région. Ça, c'est plutôt cool, gagner de l'argent avec les quêtes annexes. Ouais. Et tutti quanti. Donc, c'est bien ce que je pensais. Heureusement que je n'ai pas arraché. Parce que c'est tout simplement une boutique. Donc, c'est parti. Vendre le butin. Le butin, pardon, excusez-moi. J'ai quoi? Je peux vendre ma carte, mais alors si je la vends, je l'ai plus. On va peut-être pas la vendre tout de suite. Acheter des lingots d'argent. Ah oui. Vous êtes malin, Ubi. Vous êtes malin. Ok, très bien. Donc, on peut acheter de l'argent, hein, pour débloquer de nouvelles armes assez rapidement. On va voir un petit peu ce qu'il y a en armes. Hein. J'ai l'impression que ça a chargé la boutique. C'est-à-dire que les armes peuvent changer du tout au tout, si je puis me permettre l'expression. Et j'ai que 600 dollars.
Et avec 600 dollars, j'ai même pas la pelle, qui fait un smile. C'est assez terrible, on se casse aussi. La pêche, y a rien de mieux pour retrouver la paix. Et la paix, c'est bien ce qui nous manque le plus en ce moment. Faut vraiment être con pour pas en profiter pour pêcher dans le coin. Avoir un moment pour soi dans tout ce bordel, ça fait quand même du bien. C'est important de pas oublier les causes qui méritent qu'on se batte pour elles. À mon avis, les plus gros problèmes de ce monde viennent du fait que la plupart des gens ne réfléchissent pas avant d'agir. On résout pas tous les problèmes avec des armes, tu vois? Enfin, c'est juste mon avis. Si t'as besoin de matos ou d'appât ou autre, je peux te dépanner. Alors, c'est très intéressant, c'est quand même celui qui vend des armes qui fait la morale sur les armes. America, allez, c'est bon ça. On a une canne à pêche, maintenez A et appuyez sur E pour ouvrir la roue des utilitaires et sélectionner la canne à pêche. Voilà, choisissez votre leurre avec la molette, hein, bien évidemment. Obtenez le talent roi de la pêche pour débloquer des leurres permettant d'attraper de plus gros poissons. Et maintenez clic gauche pour donner de l'élan à votre canne à pêche. Relâchez pour lancer. Et remontez votre ligne avec le clic droit pour attirer les poissons. Lorsqu'un poisson mort, appuyez sur clic gauche pour le ferrer. Alors tout va jouer en deux clics, hein, mais alors le bordel. Remontez votre ligne avec... Ok, donc pour attirer, c'est clic droit et clic gauche pour ferrer, hein, vous l'aurez compris. Ok, c'est parti. Et vous savez quoi, on va essayer. J'ai envie de choper un petit poisson. Hop, on est parti. Oh là là, ça je connais. Hein. Ça c'est de la pêche à la mouche. Hein. Je connais bien. Ok, on va attendre. Mais sauf que ma souris n'a pas de vibreur, donc comment je peux savoir vraiment si je touche? Ok. Mais est-ce que j'ai bien une mis... Belle journée pour la pêche. J'ai mis un hameçon au moins ou pas? Ok, c'est bon. Ramenez le poisson en appuyant sur clic droit. Fatigué en orientant votre souris dans la direction opposée de celle de son déplacement. Donc si elle va à droite, je vais à gauche. Et ramenez-le avant qu'il ne prenne. D'accord, je dois ramener la ligne. Très bien. Ça fait plaisir de voir un autre. Ok, on tire à droite, hein, dans le sens opposé. Ça va casser, hein. Mais ouais, putain. Ma ligne, elle a cassé, frère. Fais quelque chose. Dis-lui, putain. Ok, je retente. Ma ligne a totalement... Mais c'est un requin ou quoi? Ça devait être un rhinocéros. Je connais bien les poissons en Amérique. Ok, vas-y les gars, on continue. Quelle est cette sombrerie? Oh putain, mais il est con. Il m'a fait tellement peur le mec. Il est où le cougar? Si tu as le temps, j'ai... Tant que c'est un cougar et pas une cougar, ça va. Ok. On va ramener un petit peu calmement. Il y a un mec derrière moi, hein. C'est terrible. Allez, on est parti. Ramenez-le. Cessez de mouliner ou de fatiguer le poisson ou elle cassera. D'accord. S'il faut du matériel, tu peux compter sur moi. Non ! Oh, dommage, j'étais presque, putain. Bon, c'est pas grave, on se casse. Eh, ça m'a saoulé. Quoi ils sont... Y'a quoi, là? Vous êtes... Oh putain, le con. Ok, regardez-moi ça. On m'appelle le tireur d'élite, on peut retenir son souffle. Putain, il voit très très loin. Je rigolais de l'intelligence artificielle, mais quand même. Hein. Attention, pas de faux pas. Vous savez ce qu'on dit dans le milieu? Il y a des cougars ici. Oh putain, tu m'as fait tellement peur. Ok. On se cassos, les gars. On se casse. Si je passe dans l'herbe, c'est une bouillie de pixels que vous aurez, hein, bien évidemment. Bon appétit, encore une fois. On va peut-être passer par ici, non? Ah! Ah, excusez-moi, monsieur, mes chaussures grises, la bordure américaine. Je peux pas. Mais... Ah d'accord, donc ils ont peut-être pas prévu qu'on puisse marcher ici. Non, vous voulez pas? Allez, hé, les gars, c'est pas grave. De toute façon, je voulais y aller en crawl, c'était mon petit côté un petit peu haïquin, tu vois. Bon, on a récupéré une canne à pêche, c'est pas mal. Maintenant, il y aura plus qu'à maîtriser un petit peu les appâts. J'ai compris comment ça fonctionnait, et ça, c'est plutôt cool. Allez, c'est bon, j'ai réussi à me sortir de cet enfer. On est parti, on continue. Donc c'est là-haut. Oh, c'est tellement beau. Putain, on est à 2000, on est à 2 km encore. Hein. Ça va être très long, les gars. Hein. Ça va être très long. Prenez de quoi boire et manger, évidemment. Comme chaque épisode de Let's Play, de toute façon, on va être ensemble pas mal de temps. Et j'aimerais bien récupérer de nouvelles, de nouveaux feuillages. Ça serait plutôt cool, ça. Ça serait plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, toujours à 2000 mètres. On y va. Aucun souci.
Oh. Est-ce que je peux prendre un raccourci? Oh, une biche! J'adore les biches. Oh, un quad! J'adore les quads. Ok, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. La petite jeune Cid avait besoin de manger taco. Ok, j'ai découvert un endroit. Ça, c'est plutôt cool, par contre. En vrai, je sais pas s'il y a des gentils là-dedans. Oh, oui. Oh, toi, je vais te piller, toi. Oh, toi, je vais te ruiner. Ok. Message d'un clochard. Oh, non. C'était sa seule thune. Hop, rien à foutre, hein. Ça dégage. Hein. T'as eu qu'à pas traîner par ici. Hein. Le mec hyper cruel. On va prendre le quad, les gars. Hop, il est juste ici. Et on se cassos. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ah, mais il est là. Attends. Yes, je prends. Yes, je le ruine encore plus. Allez, hop, ça dégage. Pas le temps pour ces conneries. Ok. On va par où, les gars? On va par ici. Oui, parce que ça, c'est pas facile. Je sais pas si vous avez déjà conduit un kart. Enfin, pas un kart, excusez-moi, un quad dans la vraie vie. Mais c'est assez terrible à conduire, je tenais à vous le dire, voilà. Je tenais à vous faire partager un petit peu mon expérience en ce qui concerne les quads. Je me dis que dans cette aventure américaine, on va beaucoup parler, vous et moi. On va parler avant tout d'Amérique, de République, d'amour, de sexe, d'Amérique, quoi, finalement, encore, quand on y revient. Et de pognon, hein, parce que le pognon, ça anime un petit peu les États-Unis d'Amérique. Avant-poste, quoi déjà? Ok, et les gars. Ok, on va le faire, y a pas de soucis, paniquez pas. Il est où l'avant-poste? Il est là, c'est lui. Je crois que c'est lui. Ok, on a un avant-poste, et ben vous savez quoi, on va le faire, les gars. Allez. On est parti. Ah, c'est la rediffusion de ce qui s'est passé. Ok. De ce qui s'est passé dans l'église. J'ai peur. Ok. Ok. J'ai peur, hein. Je suis un monstre, totalement un monstre, mais j'ai quand même peur. Ok, vous êtes prêts? Ok, il y a de la musique, c'est très sympa, hein. J'adore la musique. Il y a des gens à libérer. Il y a la sonnette d'alarme toujours. Oh, je vais me choper des droits d'auteur, moi, c'est quand même. Oh putain, fais pas le coup. Oh, c'est la merde, hein. Ok, je l'ai empêché de tirer l'alarme. Ok. Oh non, c'est la merde. C'est la merde. Putain, c'est la merde! On y va au peupon, hein! Oh! Énorme! Merci, mon frère! Je te revaudrai ça! Il veut m'enculer, hein. Les renforts approchent par l'air! Il veut totalement m'enculer! On a quelque chose ici! Hop, on lit totalement. Eh, le petit moment lecture, c'est l'aventure américaine! Ok, ça arrive, hein! Ça arrive en boule D, si je peux me permettre l'expression. Désolé, j'ai encore un petit peu de mal avec les touches. Il est sérieux, lui? Descends de là tout de suite! Yo, frère. America. Oh, fuck yeah. Ok, ça en prend. Je pille, hein, je prends mon temps, les gars. C'est le début de jeu, juste... Why? Wow. Arrête. C'est rien, frère. Je les vois pas.
Je les vois totalement pas, je ne vois personne. Ok, j'en ai vu un. Ok. Tu vas te calmer, je suis désolé, hein. J'aime pas tuer les animaux, mais là, coup de cougar. Ok, et il reste plus que lui. America! Fuck yeah! Allez, ça c'est beau, ça. Garde triage, c'est fait. C'est en notre possession. On a acquis un petit territoire. Et pas qu'un peu. J'adore les gars. Rendez-vous cette gare d'ailleurs si vous voulez vous battre vous aussi. Si vous voulez que je vous mette ce que vous méritez tous. Allez, ça c'est beau ça. On a notre gare, bordel de merde, de chiottes de merde. On a d'ailleurs débloqué hors la loi. On a débloqué une voiture pas mal, hein, Psartek, hein, la vérité. On a un combattant. Plutôt que de le laisser rouler. Eden's Gate récupérait toutes les pièces de métal de la gare de triage pour renforcer leur bunker. C'est pas une si mauvaise idée. On devrait peut-être faire comme eux. Dans tous les cas, on se rapproche de la dé. Ah, yes. D'accord. Et il est prêt dans une minute. Ok. Hop, je le retiens. J'ai totalement retiré le Mexicain, Santiago. D'accord, c'est pas mal ça. On peut prendre des combattants, je peux te recruter. T'as encore fait un super boulot en libérant cet endroit. Il y a plein de gens qui veulent combattre Eden's Gate. Il leur faut juste un chef. Et j'ai l'impression qu'on vient de le trouver. C'est pas mal ça, les gars. Plus tu chasseras la secte de la région, plus les gens voudront t'aider à combattre. Terminé. Ah ok, donc clairement, 5 nouveaux lieux découverts. Les cartes c'est pas mal, ça te donne de nouveaux lieux. On va prendre ceci et on est parti les amis, direction notre quête qui est où? Parce que là j'ai un petit peu du mal, hein, je vous avoue, à m'y faire pour l'instant avec cette nouvelle carte. C'était Folzen, c'était ici, c'était totalement ici. Ok, Folzen c'est où? Folzen c'est tout simplement là-bas. On y va, America! Fuck yeah! Ça sera notre musique les gars. Bah, je suis désolé, ça sera totalement notre musique. S'il y a des petits ralentissements hein, quand je suis en course, je réglerai tout ça. Oh, il y a une vache. Hop, je vous ai déjà dit que j'adorais les vaches. Elle a totalement disparu. Elle a vraiment totalement disparu, non? Ou je l'ai éclaté, je sais pas. Je sais pas, mais bon, en tout cas, elle est morte. Elle n'est plus là. Et ça, c'est terrible. On est parti. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur. Toujours pas ici. Je prends des raccourcis, les gars. Hein. Je me permets, si ça vous gêne pas. On va monter tout ça. Ah, conduite automatique, aucun signal. C'est terminé pour le joueur franco-malgache. Ah, c'est terminé. Oh, je vais prendre ce que je mérite. Allez, on va prendre la route. Si ça gêne personne. Ok, on est parti. Bah, je vais pas tirer, je vais tirer. Pas. On est pas là pour chercher des crosses. Des crosses. On va aller où? On peut aller. Pareil, le chemin le plus adéquat si je peux me. Arrêtez-vous, get jump down! Ok, allez, c'est pas avec un quad hein, qu'on va faire la révolution, les gars. C'est assez terrible. Ah, mais d'accord, je suis en conduite auto. On peut se la jouer d'où? Mais attendez, je... Quelle est cette sombrerie? Non, c'est bien par là. D'accord, je suis en conduite automatique, c'est énorme. Là, j'ai rien à faire. On peut juste discuter. C'est cool. Oh, stop, 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 stop. Allez, ça dégage. Ok. On reprendra l'arc plus tard hein, si ça vous gêne pas. Arrêtez-vous, monsieur. Hop, il est totalement mort. Ça, c'est fait. Qui d'autre? D'autres volontaires? Moi, je prends, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, cargaison arrêtée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dedans? Ok, hop, j'escalade, hein. Ça c'est mon petit côté un petit peu baroudeur. Attendez, je vais lui parler à lui parce que lui il a un petit truc à me donner. Toujours la secte et la résistance se disputaient le vieux silo à céréales. Ils veulent s'en servir pour stocker leur matériel. Ça me serait d'aucune utilité, mais vous feriez peut-être bien d'aller voir. Ok, bon les serveurs Far Cry 5 qui sont en maintenance, hein, c'est assez terrible. On va rentrer là-dedans. Et je fais quoi? Attendez, parce que j'ai fait un truc cool. Ça je suis sûr que c'est cool. On essaye des trucs. C'est pas vrai. J'ai interagi avec quoi là?
Je sais pas ce qui se passe. Ah! Ah d'accord, ok, waouh! Ok, bébé, je prends. D'accord, c'était les munitions, fallait trouver le bouton pour l'ouvrir. Ouh, c'est compliqué tout ça, les gars, c'est compliqué. On y va! On va récupérer un des véhicules, tiens, on va prendre celui-là. Petit bolide que j'adore. J'ai cette même voiture à la maison, les gars. On est parti, petite marche arrière. Ah ouais, dans les bombardements. On va éteindre la radio. Je veux pas de problème, les gars, avec la police. Ok, allez, c'est parti. Hop, pardon, excusez-moi. Conduite auto, c'est quoi? C'est shift. Allez, on est en conduite auto. Bienvenue à bord, j'espère que vous... C'est rien, un petit impact sur le pare-brise. Ça fait moins d'une pièce de 2 euros. Ça se réparera très très vite, grâce à Olivier. Ah, j'ai pris ce que je méritais, par contre. Ah, mais d'accord, tu rigoles zéro, toi. Lâche-moi, hey, je reviendrai. Wow. Ok. On va se soigner calmement. C'est bon, il m'a totalement lâché, les gars. Ouais, j'ai pris ce que je méritais, les mecs, hein, clairement, hein, on va pas se mentir. J'essaye de... Oh. America! Oh, fuck yeah! Bon, ça va aussi, les gars. Attendez, c'est quoi ces conneries encore? Allez, bombarde, s'il te plaît. C'est bon, encore? Hey, rien de grave, hein, juste des gens pas gentils. J'étais pas prêt à ça, on dit... Ah! En fait, l'objectif, il faut faire les avant-postes avant! Moi, je veux la couler douce en pilote auto, frère, j'en ai rien à foutre! Ok, on est parti, on se casse au sein. Aïe! C'est rien. N'oubliez pas, la douleur n'est qu'éphémère! Oh, il y a un sniper sur mes côtes. Il y a totalement un sniper sur mes côtes. On va cavale. En fait, faut faire tous les avant-postes qu'on croise, si possible, et ça, c'est terrible! Aïe, aïe, aïe! Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Ok, on est à 1000 mètres. Allez. Je fais l'avant-poste de derrière, j'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, faut y aller. J'aimerais tellement un pistolet silencieux, quelque chose comme ça, putain. Ce serait juste fou. Allez, 100 balles, ça devrait le faire. Mais j'ai rien en fait pour les tuer en plus. Ça va aussi, ça va. Allez. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah ouais, bah oui, bah. Hey. Allez, venez à plus, les gars, hein, pendant qu'on y est. Il n'y a aucun problème. Ok. Hop, je découpille. Hein. C'est terminé pour eux. Ah hein. Oh ouais, non, mais putain. M'en bats les couilles. Je suis armé. J'ai de la dynamite. Cassez-vous, je fais tout péter, putain! Ok. On va la vider, hein. Vous inquiétez pas. Je me fais encercler, mais on s'en bat les couilles. Elle est où cette putain de sonnette d'alarme, bordel de merde? On viendra sur l'autre après. Ça c'est pas mal. Chose que sur console plus difficile à faire. Après c'est vrai qu'il y a une bonne aide à la visée tout de même. Ok, ça c'est fait. On va essayer de libérer un maximum d'avant-postes dans cet épisode. Ok, c'est pas mal les gars. Quelqu'un a quelque chose d'autre à proposer peut-être? Attends, je crois que je vais atterrir sur la tête d'un gars, non? Oh la vache. Oui. Oui. Et ben voilà mon pote, ça c'est fait. Usine d'engrais, c'est libéré, elle m'appartient maintenant. Oh la vache, elle est totalement à moi. Et ben, hé les mecs, ça c'est propre. Ça c'est propre sur cette petite musique un peu country, si tu vois ce que je veux dire. Oh, boutique d'armes, forcément, comme chaque avant-poste libéré. Ça c'est cool parce que ça fait plus cette sensation vraiment de petite ville. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait un gigantesque tracteur, mais cet engrais a permis de fabriquer toutes sortes d'explosifs. On peut sans doute l'utiliser à notre avantage.
Faudra juste penser à changer de fringue avant de revenir en ville. Ouf ça, cette arme elle est ouf, hein, faut que je la garde. Impérativement. Félicitations, vous venez de terminer votre premier défi. Terminez d'autres défis pour obtenir davantage de points de talent afin de débloquer des nouveaux talents. Et ben voilà, ça c'est plutôt cool. Donc sauver, ouvrir le menu des talents. Allez. Ah oui, mais voilà, il est là. Les talents débloquent de nouveaux gadgets, capacités, vous permettent d'améliorer votre inventaire. Mais merci, il y a bien un arbre de compétences, j'ai eu peur un moment. Alors, poisson humain, ça sert à quoi? Vous pouvez nager plus vite, ok, très bien, qu'est-ce qu'on a là? Débloque le parachute, d'accord, appuyez sur barre d'espace lorsque vous êtes en chute libre. Qu'est-ce qu'on a là? Grappin. Débloquez le grappin, repérez les points d'accroche. Ah, c'est pas mal, il y a pas mal de trucs en plus. Et vous pouvez porter plus de munitions de pistolet et d'armes au corps à corps, très bien. Vous pouvez porter plus d'objets, très très bien. C'est plus ça qui m'intéresse, hein. Je vais pas vous mentir. Je vais le prendre. Voilà, parce que j'aime bien. Et qu'est-ce qu'on prend? Parachute, on n'a pas eu l'occasion encore d'être vraiment en l'air. Mais j'ai envie de m'envoyer en l'air. Ou le grappin. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Je pense qu'on va prendre le grappin. J'ai envie de... Ouais. Parce que telle est la vie que j'ai choisi de mener, finalement, quand on y pense. Bien envie de prendre le grappin. Ça, c'est dans le rayon assassin. Et ça, c'est dans le rayon quoi? Impression d'être au carrefour, frère. Le grappin, ça me paraît pas mal. Allez, on va prendre le grappin. Advienne qui pourra, on verra ce que ça donne. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère cet épisode vous a plu. C'était deux avant-postes comme ça au passage. Mais c'était plutôt cool. On a un trésor à aller récupérer, un de ces quatre aussi. Il peut y avoir une arme très sympa. Et en plus, on a récupéré une arme juste incroyable. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Les premiers épisodes vont permettre de calibrer un petit peu, voir sur le rendu ce qui rend bien, ce qui rend moins bien. Et faire en sorte que YouTube ne dégrade pas trop mes vidéos sur Far Cry. Donc je ferai plein de tentatives, je ferai plein d'essais et on verra ce que ça va donner. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, ciao ciao.